Je suis Delphine Thierran, je suis propriétaire du restaurant L'Alpage au Boréon depuis 2014. Nous proposons des produits du terroir et des plats traditionnels, le tout fait avec amour aux portes du Mercantour. Je suis originaire de la vallée de la Vésubie. À mes 20 ans, je suis partie en Australie pour finir mes études et pour travailler dans la restauration. Quand je suis revenue en 2011, j'ai travaillé chez Monsieur Robuchon à Monaco. Puis ensuite, mon rêve d'enfant s'est réalisé en reprenant le restaurant L'Alpage en 2014. Le Boréon fait partie de notre ADN, donc on venait régulièrement faire des randonnées. Avec l'école, nous faisions du ski de fond, donc du coup, l'Alpage faisait partie intégrale de mon environnement et c'était vraiment un rêve d'adolescente que de reprendre le restaurant. Cette vallée de la Vésubie, elle est belle, ses belles montagnes, son côté naturel, son mélange aussi de paysages, parce que vous pouvez avoir autant la forêt au Boréon, vous pouvez avoir un paysage assez rocailleux dans la Gordolasque, et une espèce de zénitude qui m'attire. Cette vallée de la Vésubie est riche en tradition, riche en convivialité. C'est vraiment ce que je voulais mettre en avant dans mon restaurant au Boréon. Alors, ce sont des beignets de soja, recette de ma grand-mère. Parce que Mémé, elle a plein de soja dans le jardin, donc on en profite. C'est super important de défendre nos traditions, de défendre nos produits locaux parce qu'il faut que ça vive, il faut que ça continue et que tout le monde soit fier de ce qui nous entoure. Ça, c'est le fromage Thibault qui est juste au-dessus. Le fromage du Boréon. Celui-ci, c'est un fromage de chèvre qui vient de chez Lionel, qui avait ses chèvres au Boréon. Et là, vous avez du Castelmagne qui vient de Molière. Encore un fromage du coin et du Boréon. La tempête Alex, ça a été assez compliqué à gérer, dans le sens où on a été coupé de tout ce qu'on aimait, on a été un peu déraciné parce que nos habitudes, nos repères avaient changé. Et puis moi, le fait de ne pas pouvoir remonter au restaurant, c'est quand même une partie de moi qui s'était arrêtée pendant un petit moment. Aujourd'hui, c'est la vie qui reprend et c'est chouette. Après, tout est fait pour qu'on reconstruise, pour qu'on avance. Et il y a eu des moyens énormes, humains et financiers, qui ont été mis en place. Moi, je vois mes clients reviennent, voilà, c'est super. Voilà, tac. Allez, bon appétit. Il y a beaucoup plus de solidarité, on essaye de mettre tous en œuvre, que ce soit les producteurs ou les habitants, pour avancer du même pied et mettre en avant notre territoire. Il est toujours là, il y a toujours des petits joyaux et il faut les mettre en avant en fait.